bonjour Xavier. Bonjour. Donc on est parti là pour un chantier un peu spécial, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, on va extraire du ruisseau, de la gorge, là, des arbres qui ont été renversés avec les orages, le vent et compagnie, pour éviter en cas de crue qu'il y ait des embâcles qui se forment à cause des arbres renversés le long du ruisseau et que ça crée des bouchons et que ça crée des ravinements énormes et des éboulements. Et du coup, il n'y a pas bien d'autre solution que de les évacuer par hélicoptère parce que l'accès est extrêmement difficile. Mais chez nous, c'est exceptionnel puisque c'est un petit peu un coût aussi élevé, il faut le noter, mais quand on n'a pas d'autres moyens, et ben on fait comme ça. C'est pas trop dur ? Non. Ça va. Ce qui est dangereux, c'est si l'arbre vient à se décrocher et que ça vienne à tomber. Ouais. Tu vois, au moment qu'il lève, là, avec le coup. Non, et là, en plus, c'est dangereux parce que t'as le talus, il est comme ça, il est dessouché, il est calé dans un autre, et après, avec le vent, oula, il menace de tomber à chaque fois, mais ça va. Ouais. C'est pas pire. C'est. Elle est trempée, hein. T'es tombé dans le ruisseau ? Ah ouais, au moins trois fois. L'eau, elle est rentrée partout. Ah ouais, au moins trois fois, moi. C'est quoi ça ? T'as glissé là-bas ? Ah, mais c'est de la glace en bas. Quand l'hélico il arrive, on lui accroche un arbre et il part avec, aussi bien il y en a un autre de derrière qui peut descendre et tomber aussi en même temps. Quoi.
C'est exact, t'as fini? Bah ouais, c'était la dernière rotation. Maintenant, on va voir ce qu'on fait. Ouais. Avec le boss. Te voilà sorti d'affaire. Oui, ça y est, hein, un bon chantier de clos. Ouais. Comme vous avez pu le voir, pas facile. Ouais. Très complexe à plein de niveaux et obligé de le réaliser avec du personnel qualifié et hyper volontaire et très expérimenté qui peut gérer tous les dangers, aussi bien liés à la pente, aussi bien liés à la machine, à l'hélicoptère et puis prévenir un petit peu tout pour que tout se passe bien. Et je suis vraiment satisfait, je remercie toute mon équipe pour la bonne réalisation de ce chantier aujourd'hui. Donc, je m'appelle Xavier Boeuf, je suis gérant d'entreprise Xavier Boeuf Service, qui est situé à Sainte-Agnès, dans le département de l'Isère. Et en fait, on est un petit peu spécialisé dans tous les travaux en montagne, tout ce qui est travaux un petit peu spécifiques. Donc, l'entreprise est en place depuis 1999. Et petit à petit, au fil des années, on a acquis une expérience, et un petit peu par le biais de nos chantiers spéciaux. Et une expérience dans le domaine un petit peu, donc tout ce qui est héliportage, tout ce qui est travaux forestiers, travaux un petit peu acrobatiques, travaux avec pelle araignée, et beaucoup de débroussaillage, beaucoup de réouverture de milieu et beaucoup d'intervention dans des milieux entre guillemets périlleux. Donc aujourd'hui l'entreprise compte un effectif de 2 à 4 salariés en fonction des saisons. Et puis on a aussi une collaboration avec des indépendants, des prestataires indépendants, des bûcherons, des élagueurs, des grimpeurs, des travailleurs sur corde, pour faire tout ce qui est un petit peu travail spécifique, et on met ensemble nos capacités à travailler et à intervenir dans des milieux périlleux. Donc tu as été missionné par qui là? Donc c'est la communauté de communes, donc c'est sur la commune de Froges, mais par le biais de la communauté de communes du Grésivaudan, qui est mandataire du chantier, et du coup ils nous ont confié la tâche d'évacuer ces bois par le biais de la voie aérienne. Le plus gros inconvénient, c'est la météo. Donc on a eu des soucis ce matin avec un petit peu la neige, le vent et des impossibilités de voler pour l'hélicoptère et de travailler. Mais aussi après il y a toutes les petites questions administratives, les autorisations de vol, les autorisations de voirie pour barrer la voirie auprès de la communauté de communes et de la commune. Et puis un petit peu caler tous les intervenants et les disponibilités de chacun pour que tout se passe bien. Journée tendue, bien content que tout se soit très bien passé. Voilà, un grand merci à toute l'équipe. Parce qu'il fallait du personnel qualifié, expérimenté. Il y a d'énormes dangers, d'énormes risques encourus, autant au niveau du sol qu'au niveau de la pente, de l'hélicoptère qui peut provoquer aussi des chutes de branches, des choses comme ça, comme vous avez pu le voir sur les images. Et je les remercie grassement. Et voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe, c'est un chantier qui se termine bien et je suis content.